Yo tout le monde les gars, c'est Anisia, j'espère que vous allez bien, moi ça super les gars. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale pour l'épisode 2 de ma série Road to Champion. N'hésitez pas à aller voir le premier épisode si vous l'avez pas vu, c'est vraiment important pour comprendre le but de la série et pour suivre mon évolution en arène sur cette saison 2 de Fortnite. Je suis du coup actuellement à 2580 points en arène, donc j'ai fait quelques games quand même depuis le premier épisode. Et là du coup dans ce petit épisode là les gars, vous allez découvrir mon petit spawn en arène et un tournoi en solo. Vous allez voir que le spawn est assez safe, il y a pas mal de rotation et vraiment pas mal de stuff. Vous allez voir, c'est assez cool. Donc c'est parti pour la vidéo. Et voilà les gars, c'est parti. Du coup on a trouvé une petite game et le spawn est juste ici sur cette petite montagne. Et franchement vous allez voir que le spawn est vraiment bien. Il y a énormément de tunnels pour pouvoir vraiment aller à différents endroits récupérer du stuff. Mais également il y a les petits bots qui vous permettent d'avoir pas mal de construits. Vous allez voir que le spawn est vraiment cool. Sur la saison 1 du chapitre 2 du coup de Fortnite, le spawn n'était pas ouf. Mais maintenant cette saison, le spawn est vraiment très correct. Parce qu'il y a les bots, il y a pas mal de rotations avec les toilettes et... les petites poubelles, il me semble qu'il n'y a personne. Donc au moins on va se faire une petite game chill. Chill, donc petite PM pour commencer, ça fait plaisir, on va tuer les petits bots. Et vous allez voir franchement le spawn est vraiment très correct hein. Vraiment vous allez voir que j'ai vraiment un très bon stuff. Et le spawn se loot assez vite, donc c'est vraiment correct, vous allez voir. En espérant tomber sur du bon stuff hein. Si toutes mes games j'ai du bon stuff et là je fais la vidéo j'ai un stuff éclaté, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Mais généralement j'ai un stuff très correct à chaque fois. J'ai un stuff très correct. Oh, il m'a fait peur le bot. Faudrait pas mourir contre un bot invido, ça serait un petit peu le malaise. Hein. Et en plus, du coup, on allait construire des bots. Donc au final, on peut vraiment se mettre très 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 bien. Vous allez voir. 9 grenades, bah toujours plus. Hein. Faut bien que je pense à garder un bot parce qu'il y a un coffre qui s'ouvre à l'aide d'un bot. Ouais, il reste un bot là, parfait. On va prendre le bot ici et je vais m'en servir pour ouvrir la petite caisse juste là. On connaît le spawn évidemment, j'ai travaillé un peu le spawn quand même. Je vous ai pas fait une vidéo en mode non je connais rien au spawn, non je connais. Et là du coup on a directement un petit barrette, c'est vraiment très très classe, j'adore le barrette. Je vais boire ma grosse pote, en plus on en a deux donc voilà, pas besoin de mini, c'est vraiment cool. Et vous voyez j'ai déjà un très bon stuff hein. J'ai déjà un très bon stuff pour le coup hein. Que faire, j'aimerais beaucoup. Ah je crois que je vais améliorer mon pompe en space 12 je pense. Je pense que je vais faire ça en vrai. Je vais améliorer mon pompe en space 12 pour pouvoir prendre le barrette à la place d'une PM je pense. Je pense que je vais faire ça. Vous voyez hein, la game vient de commencer. J'ai un petit truc pour améliorer l'arme. En plus ça ce spawn là c'est vraiment très très cool. Directement ça passe en space 12. De toute façon les constructions je vais les récupérer assez vite. Vous inquiétez pas, et là du coup petit barrette, on est plutôt bien maintenant déjà. Là il y a un petit toilette qui nous téléporte juste à côté, donc c'est pas forcément le meilleur toilette à prendre on va dire. Mais vous allez voir qu'il y a vraiment des petites toilettes assez sympathiques. Et regardez déjà mes niveaux de construction. Vraiment j'ai déjà énormément de construction alors que j'ai pas farm de la game quoi. Donc, et j'ai amélioré le space 12. J'aurais pas amélioré le space, je serais full construction et pourtant c'est un spawn assez safe quoi. Donc tu peux vraiment te mettre archi bien. Du coup maintenant les rotas, on a ce petit toilette là qui nous emmène juste en dessous, vous allez voir, d'ailleurs je vais ouvrir ce petit coffre de munitions. Même niveau munitions je suis très bien alors que j'ai rien fait pratiquement, donc vraiment c'est le feu. Il y a pas mal de pierres, de bois, de métal autour, vous allez voir, le spawn est vraiment très très bien et se loot archi vite, vous allez voir. Donc là du coup je prends les petites toilettes qui vont me téléporter juste en bas, vous allez voir. Juste là, donc là qu'est-ce qu'on a? On a un petit coffre de munitions, qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a que dalle. Mais là on a un petit vu sur le spawn ici, j'ai pas l'impression qu'il y ait du monde. Mais admettons que là que t'arrives là, tu vois un mec, bah voilà juste là. C'est ce que je voulais, l'exemple que je voulais vous faire montrer, l'exemple type de ce spawn. C'est vraiment que tu peux prendre énormément de pics sur les personnes qui sont autour. Là il y a une grosse pierre qui rapporte 150, qui te met archi bien. Je suis déjà full brick. On va essayer de mettre une bonne balle de sniper, franchement il y a grave moyen. Je vais quand même faire gaffe aux alentours qu'il n'y ait pas un mec qui me snipe moi aussi. On va farm un petit peu pour l'instant, je vais pas non plus rester AFK en faisant rien du tout, je vais juste perdre du temps sur mon spawn. Ok tant pis, on va reprendre les toilettes, c'est tant pis, c'est tant pis. Clac, là j'ai la petite poubelle qui va me mener juste en bas ici, au petit terrain de cross on va dire, au petit terrain de cross juste là. Il y a un petit coffre qui met bien à chaque fois, bon le coup là il a pas mis bien le petit coffre. Dans le buisson normalement il y a un petit spawn d'armes il me semble. Ou un petit spawn de quelque chose. Bon des bandages c'est pas foufou. Je pense que je vais lâcher mes 6 grenades. Malgré que ça fasse un peu chiant en vrai de lâcher 6 grenades. Mais après j'aurai pas de heal.
Donc je pense que je vais faire ça honnêtement. Et puis on verra plus tard. On verra plus tard en vrai s'il n'y a pas mieux. J'aimerais bien trouver une AR comme ça, je lâche ma PM. J'aimerais beaucoup trouver une AR, ce serait vraiment cool. Comme ça au moins je joue AR Space. Parce que là j'avoue que AK Space c'est pas ouf quoi. C'est vraiment pas ouf, qu'est-ce que c'est ça? Ok, bah y'a un mec qui est mort en l'air, bah super. Bah super, on a un gros BF juste ici. Et ce qui est bien aussi sur ce spawn que je vous ai pas dit, c'est qu'on a une grosse vue sur Craggy. On a une grosse vue sur Craggy et du coup tu peux prendre vraiment des petits pics sur toute la ville. Le mec redescend, il a pas été dupe. Qu'est-ce qu'il va nous faire le monsieur? Je comprends pas trop son... Ah dommage. Il l'a tué. Il l'a tué. Et puis à l'AK, je déteste jouer à l'AK. Ok, on a un chasseur bleu. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est pas du tout ce qui nous intéresse. On a également un peu de stuff en bas. On a quoi là? Pour qu'on a de la pierre et de la pierre. On s'en fout un petit peu. C'est pas ce qui nous intéresse encore une fois. Faut que je fasse gaffe du coup au mec qui a spawn là-bas, qui ne vienne pas me backstab avec les petites poubelles. Du coup, il y a un petit camion ici qui généralement met assez bien. Normalement, je crois qu'il y a deux spawns d'armes si je dis pas de bêtises. Donc ça peut quand même te mettre bien. Et vous voyez quand même, j'ai un très 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 bon stuff. Il me manque juste un peu de shield de rechange. Mais en soi, je suis full construit. Je suis plutôt bien quoi. Il manque juste, allez, une petite AR si on veut vraiment faire le mec chiant, une petite AR et un peu de shield de rechange. Mais sinon, bah, je suis vraiment bien et le spawn, bah, comme vous avez vu, c'est assez safe, il y a pas mal de pics à prendre. Il y a un mec sur le pont. Dommage. Dommage. Dommage, putain, ça passe pas loin, Il sait pas où je suis. Oh, il a, putain, il a 20 HP. Il a 20 HP, on va le push. Bonne balle de barrette, plus balle d'AK 150, 574. Il doit pas être bien du coup. Faut vraiment que je le rush rapidement si je veux pas trop qu'il se heal. Ah, dommage, j'avais une visu. Malheureusement, ça n'a pas pu passer. Je vais quand même faire le coffre, on sait jamais s'il y a des mini. Non, pas de mini. Pas de mini, mais 3 grenades, ça peut faire le taf en vrai. Ça peut faire le taf, clairement. Alors cette game je prends full dégâts chute hein, je suis full débile hein. On va le rush, ouais ok il est tout le temps là, c'est parfait. Balle dans shield. Oula. Ok, nice. On a eu le barrette. Une mini pot. On se remet à 125 HP. C'est cool. Franchement, le barrette qui carry là pour le coup. Ok, on a eu le top 25. J'avais pas vu. Mais ok, on a eu le top 25. C'est plutôt cool. Il y a un mec là-haut. What? Il m'a mis deux balles derrière, je crois. Je reconnais. C'est du manette. Je reconnais. Ok, oui. Oh, il a un grappin. Ça va être difficile. Ça va être compliqué pour le joueur français. J'ai plus de shield. Ah, ça va être compliqué. Faut que je mette la balle de space douce les gars, c'est la balle de space là qui doit passer.
Ok. Compliqué, je suis mis des grosses balles, mais malheureusement il a de la vie, pas moi. Ça va être chaud, je mets mon kit. J'ai plus de constru. Je vais devoir all-in, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je vais devoir all-in le mec, clairement. Oh, let's go! J'y croyais plus. On n'y croyait plus. Ah, j'y croyais plus du tout. Ah, monsieur me remet bien. Ah, il nous remet bien, lui. Oh, j'y croyais plus. J'y croyais plus. On a eu le top 15. Oh, j'y croyais plus. Au final, faut toujours y croire, les amis. Faut toujours y croire. On se remet super bien niveau vie, niveau stuff. On se remet également super bien niveau construit. C'est un peu la crise, par contre, on va pas se mentir. Mais alors, niveau shield, niveau vie et tout ça, c'est niveau arme également. J'y croyais plus, hein. Vraiment, c'était vraiment trop, trop, trop chaud. Mais bon, ça passe, donc tant mieux. Ah, c'est compliqué, là, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est terminé, ça rend fou. Et non, ça passe. Ça passe, ça passe. Du coup, gros spot. Le grappin, je pense que je vais le prendre. En vrai, j'ai pas le choix. Le grappin, c'est vraiment OP pour la fin de game, pour Rotates. Et ce que je pourrais faire, c'est essayer d'aller farm un petit peu. Je vais essayer de voir ce que je pourrais faire autour. Parce que là, j'avoue que je suis clairement en manque de build pour la fin de game. Ça risque d'être compliqué. Où je pourrais les farm? Là, je vois qu'il n'y a rien du tout. Là, j'ai plus rien à prendre. En vrai, je vais essayer d'aller monter là-haut. J'ai la zone et puis je peux essayer d'aller farm un petit peu. J'ai un pad, je me tâte à aller en zone maintenant, en vrai. Je me tâte à aller en zone, qu'est-ce que je fais? Le mec de tout à l'heure, il est où? Il s'est barré, je pense, il s'est barré. Il s'est barré, ok. Je pense que je vais aller en zone, en vrai. Ouh! La petite tête du joueur français Nesia! Et ça peut aller récupérer le stuff, le joueur francophone! Oh là 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 là, cette tête! D'un coup de barrette somptueux! Ah, je m'enflamme là, j'en ai rien à foutre, je baisse tout. Qui peut m'affronter sérieux dans ce jeu? Qui? Ah, peut-être toi, mais rends pas fou. Rends pas fou, c'est pas le moment de me rendre fou. On va utiliser notre meilleur grappin. Et on va aller en zone, hein. Allez! Allez, on est zoné. C'est parfait. On se boxe, clac. Oh là là, cette tête qui me remet tellement bien niveau construction. Et quel plaisir, on a oublié la brique, mais bon, hein, tant pis. Sur le coup de la panique, c'était vraiment compliqué, mais waouh. La petite balle de Baba là qui passe, on le connaît bien ce Baba. Hein. Ah, Nesia au sniper, faut. Ah, quand on est mal dans la game, vraiment, il n'y a que le sniper qui peut te sauver. Hein. Ou un petit 200, on se passe, et là, clairement, le sniper a carry, on va pas se mentir. Ça m'a mis bien. Ok, on est 10 remain, c'est éclaté, mais bon. On va essayer de se faire ce petit top 1 étant donné que. Sur le premier épisode, on n'avait pas fait top 1. Et là, franchement, cette balle de barrette, si ça mérite pas un petit pouce bleu, ah, oh, je fais comme tous les youtubeurs maintenant. Cette balle ne mérite pas un pouce bleu, les amis. Oh que si. Alors toi, mon pote, si je fais pas du L2, 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 R2, alors je suis clavier souris. Oh, il galère. Oh, il galère. Je reconnais, il est pas en confiance là. Il est pas sur ses appuis, le monsieur. Il est pas en appui. Ah, la scar mythique, ça y va, hein, beau gosse. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, gros? Allez, détruisez-le. Je suis un gamin. Détruisez-le, bordel. Il y en a un, je fais. Si je l'ai pas le kill. Si j'ai pas le kill, les amis. Bah, je sens que je vais pas avoir le kill, donc on va se barrer en zone plutôt que faire le couillon. Allez, le grappin, Nesia. Ça grappine, on a un grappin limité, faut en profiter. Allez, ça grappin, tout va. Il y a un stuff là. Yo, frérot. Et on se remet full build, on se remet full build. Ça part de là. Cela est grand. Oula, je fais n'importe quoi. Depuis que j'ai mis la balle de barrette, là, la vidéo part en steak. Hein. Ah, vas-y, on va se reprendre en main. On va faire la belle extends. Yep. Oula. On va peut-être refermer. Ouais, ça fait peur. Oh, pas fou. Ah, c'est un il a qui récupéré, je reconnais.
Je reconnais que c'est la High Grands. Oh là là! Oh là là! C'est la High Grands. Le High Grands est récupéré du joueur francophone. 4 remaining. 4 remain, oh my god. En vrai j'ai le high, j'ai quand même un peu de construction. Je pense que je peux finir la game avec le high grounds. Je suis quand même assez haut, dès que je peux redescendre, je vais redescendre en vrai. Des petits 27 parties par là, c'est toujours bon à prendre, je pense, en vrai. Fais pas trop le malin, toi. Hein? Je sens que tu veux un peu trop faire le bilou avec moi. Rends pas fou. Et reste en bas. Reste en bas, frérot. Enfin, je gaffe, je suis quand même assez haut. Faudrait pas mourir de chute bêtement. Je vais descendre un petit peu. Oh là là! Tout le monde est low, c'est un plaisir! Oh! Ouais, d'accord, on est sur. Ah, oh, j'ai plus de bulles. Ça va être compliqué, ce top 1. Oh là là, je vais appeler la console. J'ai lâché mon space. Oh bordel. Franchement, mettre mon space à la bonne place. Le francophone, oh my god, Nesia! Oh my god! Oh non, non, c'est du choc! Et let's go! C'est le top 1 qui passe! Et cette balle de Barrett qui me remet hyper bien dans la game. Mais voilà, les gars, je vous ai dit, la dernière fois, on n'a pas fait un top 1. Et là, je fais un petit top 1 magnifique. Oh, 7 petits kills, ça passe, c'est vraiment cool. 31 de précision, pratiquement 3000 de dégâts au joueur, franchement. Archi propre, et du coup on passe à 2880 points. Cette game fait plaisir, hein. Vraiment cette game fait plaisir. Franchement je pensais que sur le deuxième kill je pensais être archi mort. Je me suis dit dans ma tête, vas-y, c'est la pire game, je vais sortir la pire vidéo. Et puis là je le tue, on se remet bien et tout. Et puis en plus on débloque ce magnifique planeur, ça fait plaisir, on va tout de suite l'équiper. Du coup, bah les amis, je vous l'avais deviné, c'est la fin de ce petit épisode 2. Franchement, si ça mérite pas un petit pouce bleu et un petit commentaire, un partage, abonne-toi également si t'es nouveau. N'hésitez pas à mettre mon code créateur, évidemment, Nesia dans la boutique, en minuscule ou majuscule, comme vous voulez. N'hésitez pas à check le outil pour me soutenir. J'arrive plus à parler. N'hésitez pas à me soutenir gratuitement en allant dans la description, à cliquer sur le petit utip. Ça va vous permettre simplement de regarder des pubs et moi de me donner 1 à 3 centimes pour chaque pub. Donc n'hésitez pas à m'aider gratuitement. Et puis voilà les gars, tout simplement c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Nesia, retour 5K. Allez, salut tout le monde.